Bienvenue à tous! Donc aujourd'hui on se reprend sur ce let's play de Resident Evil Revelations et on commence tout de suite. Donc voilà l'épisode 3, le fantôme de Veltro. Donc on vient d'apprendre qu'il y a un nouveau personnage sur ce bateau qui est Raymond, qu'apparemment Parker connaît, et il fait partie du FBC, alors que nous on fait partie du BSAA. Dans tous les cas, on est des agents spéciaux, secrets, placés sur le navire à la recherche d'informations. Donc on va devoir chercher à savoir pourquoi. Le FBC est sur place. Qu'est-ce qui se passe sur ce navire encore une fois? Donc voilà, on va devoir chercher des informations. En tout cas, l'ambiance est vraiment là. Putain, le gars il sort de nulle part. Du coup, voilà. L'ambiance est vraiment bonne. Les zombies profitent, enfin, si on peut appeler ça des zombies. Les infectés ils profitent bien de l'effet de surprise. Donc, c'est pas mal. Je trouve que les plans sont bien faits, la luminosité aussi, tout concorde, enfin, tout met de l'ambiance et on rentre bien dans le jeu. Je sais pas si vous ça fait pareil vu que je filme pas tout à fait l'écran en entier donc.
J'espère que vous voyez bien. Encore une fois, vous direz tout. Enfin, vous direz ce genre de choses dans les commentaires. Alors attendez, parce que j'ai vu un truc, on voyait, attention. Présentation du navire. À l'intention de tout le monde, de l'équipage et du personnel, le Queen Zenobia est un paquebot de près. Ouais. Je vais lire attentivement. Le hall de promenade. Casino situé à côté du hall de promenade. Restaurant à la boutique. Alors, la salle de transmission d'urgence, elle est à côté de la promenade, elle sert de point de rassemblement en cas d'urgence pour envoyer des appels de détresse. Ok. Bah, je vais récupérer les cartouches là. Puis je crois que j'ai tout regardé. Je vais voir une dernière fois, mais je crois que j'ai tout vu. On va y aller. Voilà. Donc, du coup, on va déverrouiller la porte. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a des munitions, on va voir. On va récupérer ça. On va prendre le Genesis et on va fouiller la zone. Déjà. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je peux pas les prendre parce que j'ai déjà tout qui est plein. C'est un petit peu chiant. Si j'avais d'autres poches ou des trucs, ça aurait été plus pratique. Je risque d'en manquer. Ça va être chiant. Alors, est-ce qu'on a un truc à lire? Est-ce qu'on a des infos, des trucs? Je sais pas. Parce que là, on avait de la présentation du navire, mais. On n'a pas d'infos sur la WC, des carnets intimes, des trucs comme ça. Ouais. Ah. Est-ce qu'il va se transformer? Non, je peux pas viser. Ok, bon. Ah! Message abandonné. Mon Dieu, aidez-moi, ça ne peut pas être vrai. Ne me laissez pas mourir dans cet enfer. Il n'y a pas de survivants, on va tous y rester. C'est tout? Est-ce qu'on a tout fait? Non plus. Ah! Yeah! En plein intérieur, ça va être cool. Ok, donc près de la promenade. J'imagine qu'elle va prendre l'ascenseur.
on va prendre le chemin de la promenade. Donc, on va voir le plan, faut voir où on est, où est-ce qu'il faut qu'on aille. Un moment, on doit rejoindre la promenade. Ok. Donc, nous, on doit rejoindre le point jaune et on est là. Donc, on doit descendre. On va prendre l'ascenseur du coup. Et du coup, cabine du bas.
Donc, encore un casse-tête, comme dans l'épisode 2 où on a dû sortir de la chambre. Malheureusement, ça avait coupé. Donc, voilà, je pense que vous avez compris. Il faut démêler les espèces de nœuds et faire en sorte que le circuit soit activé. Donc, que tous les points, si je peux appeler ça des points, soient jaunes. Donc, je le mets en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Voilà, j'ai un peu galéré. Donc voilà, on se retrouve. Qu'avons-nous là? Voilà une note, on va voir. Rapport de nettoyage. Coquillage au fond de la piscine, il faudra nettoyer ça au plus vite. Donc c'est une colonie, une nouvelle espèce. Ouais, l'eau est contaminée, donc il y aurait un rapport avec ces étranges coquillages. Sûrement, à mon avis. On va nettoyer le truc. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc il y aurait une sorte de colonie d'étranges coquillages infectés, donc des espèces de mutants un peu comme les zombies qu'on voit sur le navire. On va fouiller la zone. Après il faut savoir qu'on doit rejoindre la salle de transmission d'urgence, donc on va partir d'ici après. Pendant ce temps, j'ai exploré un petit peu les environs pour voir ce qu'il y a, si j'ai pas loupé des trucs, et je vais faire une ellipse, comme ça je vous retrouve directement à la promenade sans que ce soit trop long. À toute! Heureux. Alors on est arrivé sur le pont promenade et on a récupéré le M4A01. Donc on se reprend. Donc normalement, la salle de transmission d'urgence devrait se trouver par là. Donc on va voir ce qui nous attend. Ça m'a l'air grand. On peut faire exploser les extincteurs. On a des munitions. J'ai pas confiance. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a apparemment quelqu'un dedans. On va devoir exploser le cadenas. J'ai juste re regardé la zone un petit peu. Et recharger les armes, évidemment. I never knew about your red horns. I never saw your evil scars. You used to be
But then you went and slapped my heart. The promise that you promised her, a badass real as an air guitar. So watch your back, cause I'm still your car. You better run, 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 run. Cause there's gonna be some hell to pay. You better run, 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 run. And that's the only thing I'm going to say. Hey, I wish I knew right from the start that I was dancing with the dark. You better tuer trois d'un coup. Faut que j'attende qu'ils soient tous en place au même endroit pour les buter tous d'un coup avec le truc. J'ai une technique, mais le problème, c'est que j'ai pas assez de munitions. J'utilise le flingue pour le cadenas, ensuite j'utilise le M4 pour le boss et j'utilise le fusil pour les gros. Mais ouais, mais si, faut que je change d'arme à chaque fois.
j'en profite. Oh putain, elle a pas rechargé. Comment on fait quand on a plus de munitions? Tu feintes. Je sais plus comment je faisais pour me battre. Putain. Dégage d'ici. Cours. Saute. A girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Thank you.
and no drive is in the end, we're all alive. Alive. 2,000 years I've been awake, waiting for the day to shake. Dear all of you who've wronged me, I am a zombie. Again, again, you want me to rock my head. I am a zombie. Hello, hello, hello. You push me to go, to go, to go before I am a zombie. Hello, hello, hello. You push me to go, to go, to go before I slide out of bed. Eh non mais sérieux, on en parle de ce convo que j'ai foutu. J'ai galéré comme une malade. Mais bon. Moi j'ai réussi, il va falloir que je recharge tout, que j'aille chercher des munitions. Des plantes vertes, parce que je crois que je vais en avoir besoin. Un magnum. On va encore avoir une arme. C'était quoi? C'est un entraînement? On va avoir un autre boss? Comment ça se passe? Parce que là, on nous fait pas attaquer coup sur coup quand même. Rassurez-moi. Donc c'est la fin de ce troisième épisode sur Resident Evil Revelations. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires.
à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous retrouve très bientôt. Salut!